Ah, c'est encore vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé, n'est-ce pas? Oui, j'étais dans le coin. Je suis souvent dans le coin de toute manière. J'ai eu beaucoup de boulot ces temps-ci, il faut avouer. Le Covid, les guerres, tout ça. Oui. Vous vous souvenez de moi au moins quand même? Oui, je suis la mort. J'avais beaucoup bossé dans ce jeu que je vous avais partagé. Regardez ça. Et ça m'a épuisé. Oui, le burn-out, tout. J'ai monté ma start-up. Ça marche trop bien, quoi. Mais le problème, c'est que c'est énormément. Mais alors vraiment énormément de paperasse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens sous une forme de préversion dans ce Have a Nice Death. C'est un jeu en early access qui propose de vous dévoiler ses plateformes et les aventures de la mort. Oui, parce que la mort a des aventures. Et mine de rien, faucher toutes ces âmes, c'est un boulot, vous n'avez pas idée. On y go! Oui, vous le savez bien. Pour nous entrepreneurs le plus pénible, c'est la paperasse. Toujours plus de paperasse. Énormément de paperasse. On fait le moins de trucs, il faut le justifier avec une paperasse. On a envie d'une pause pipi supplémentaire, il faut de la paperasse. C'est vraiment un souci. Moi, je pète les plombs. Faut vraiment que j'aime le détendre un petit peu. On ne fait pas n'importe quoi, figurez-vous. La procédure est bien rodée et tout ce que vous devez faire, c'est... Oh, monsieur le président directeur général, vous arrivez pile au bon moment. Panique à bord, Brad a décidé de laisser passer toutes les âmes sans les contrôler. Tous les services sont débordés. Je suis débordé. Bref. Essayez d'en toucher un mot à vos associés, les fléaux responsables de ce chaos. Retour, monsieur le président directeur général. Et have a nice death. Ah, je vais vous épargner mes talents de doubleur, bien qu'ils soient consacrés dans le monde entier. Et j'ai de nombreux chats qui sont fans, d'ailleurs. Oui, les chats regardent beaucoup cette chaîne, je sais pas si vous avez remarqué. Ça dépend.
On dirait ma conseillère de cette maison qui se consacre intégralement à cette vocation qu'est la recherche de l'employologie. Alors, no bullshit, on est bien dans un jeu de plateforme. Vous allez me dire, mais monsieur K, ton jeu de plateforme, tu vas me dire qu'il y a plein de niveaux imbriqués aussi? J'ai pas été aussi loin, les gars. Mais c'est une bonne probabilité, il me semble. Et du coup, j'ai pas lu ce qu'il m'a raconté, lui. Quoi? Il m'a dit quoi? Ok. Trigger pour... Ok, je peux faire mon... Eh oui! Est-ce que celui-là va laver plus blanc que tous les autres? Je me demande. Ouais, c'est le dash, son retour, toujours. Wing, wing, wing. Et je peux le faire en vertical. Moi, j'aimerais plutôt qu'on m'indique des trucs qui servent à faire à ça. Ça tombe bien. Claude, Claude, je crois que... Dites-lui rien, laissez-lui la surprise, il voit pas. Ah, j'ai dérapé. Mais il fait du disco quand je le frappe en plus. Ouh, c'était joli ça. Bon, on se distrait, mais on est là pour du sérieux, les gars. Je suis la mort, je vous rappelle. On y va. Salut Claude, à bientôt. Désolé pour le mal de crâne. C'est pas très joli de s'en prendre aux objets du décor, mais on va quand même le faire. Alors il y a du loot, ce qui est un bon indice pour se dire que en plus d'avoir des niveaux imbriqués à la Metroid, on va sûrement avoir du rogue. Y. Ouh, nous allons être amis très chers. Refait. Again. Alors ce sont des coups qui se rechargent, si on regarde bien à gauche. Il y en a certains qui vont nécessiter un délai, il me semble. Et tous mes coups sont clairement indiqués. Cette petite jauge qui est tout au milieu, avec un liquide un petit peu mauve, m'intéresse elle aussi. Snip. Ok. Oh les relous. C'est moi le boss. T'as pas fait tes heures, dégage, dégage, et redégage. Oui, 2x, 1y, ça marche très bien. Bim, boum, bam. Alors c'est bien foutu parce que ça fonctionne avec... Pour l'instant, j'ai pas utilisé du tout ce qu'il me raconte. Hein. Parce que je n'avais aucun désir de faire ce carnage. Non, vraiment, 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 vraiment. Moi, c'est la finesse d'abord. Et j'étais en train de dire quoi du coup? Parce que j'ai été interrompu. Oui, tous les coups sont marqués à gauche. Et donc, cette jauge apparemment me sert à charger un coup surpuissant de temps en temps. Qui, en fait, se remplit au fil des gens que je vais éclater, tout simplement. Oui, le terme n'est pas trop fort. Alors aujourd'hui, j'ai un problème avec mes commandes, hein. Je dois pas savoir m'en servir. Ça y est, c'est bon. Ok, bon, de toute façon je vais très peu me soigner, tu sais, je suis déjà mort. Oh mon dieu, la Arlette. Oui. Ok. Ok.
Oui, le jeu est matiné d'un certain cynisme, ce qui n'est pas pour déplaire à Monsieur K, vous le savez très bien, bande de... marsons. Not sorry, not sorry. Qu'est-ce qu'il veut ce bouquin déjà? Les bouquins, c'est mal. Je suis caché. Est-ce que le secrétaire s'entête? Ah, ça y est, je suis dans le jeu que tout le monde stream. Oui, le jeu qui se passe au Japon, là, dans cette ville, où il y a des petites écolières sans tête. Ah, les petites écolières sans tête. Moi, j'ai des secrétaires sans tête. C'est pas mal. J'ai aussi beaucoup de personnel gras sans tête, j'ai l'impression. Grouf. Qu'est-ce que quoi? Ah, des mains. Les mains de main. C'est assez particulier, la prise, justement, en main. De choses, puisqu'il faut vraiment alterner les coups. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On a l'impression que c'est en fait du tour par tour, mais en temps réel. Je sais pas si je l'exprime bien. Non, je pense pas, mais vous avez saisi ce que je voulais dire. Oui, il y a une inertie, vu que les coups, on peut pas les donner comme on veut, vraiment. Il faut être un peu sage. Oui. Et moi, je suis la mort et la sagesse, franchement, ça, je connais pas. Non, je suis pas désolé, mais je connais pas, vraiment. Ah, mon plat. Suffit, c'est moi le PDG de cette entreprise, bordel. Avec cette petite voix, ça marchera jamais pour l'autorité. Alors je loot Eterna Mana, augmente la mana max, je prends. Non, l'autre. Bien, j'ai vraiment un problème avec ma gauche et ma droite aujourd'hui, j'ai l'impression. Allez, on va aller à gauche. Hein? Bip. Le look cartoon du jeu est vraiment marron, parce que c'est très agréable, c'est très drôle. Qu'est-ce que... What? Flèche-feu. Ce tir droit, ça crame bien. Que demander de plus? J'ai vraiment un problème avec ma gauche et ma droite, hein, je confirme. C'est la matinée qui veut pas. Enfin, comment ça, c'est... Oui, 16h54. C'est la matinée qui veut pas, oui, c'est bien ça. Hé, hey, méchante. Tu arrêtes, toi. Je prends ça aussi, regarde. La squeak, je me rappelle déjà plus mes commandes. C'est pas grave. Je remonte ma life. Oui, je remonte ma life, car le jeu m'a vu venir. Il s'est dit, aujourd'hui, Monsieur K confond sa gauche et sa droite. Ça, c'est à droite, par exemple. Il serait temps de lui rendre service. Alors, où l'on nous service sous le rayon premium ou du stock d'équipement. Hop. Non, voilà. Est-ce qu'il y a une fiche personnage avec des attributs que je pourrais augmenter? On va aller dans le menu pause, je crois. Non. On va aller dans l'autre menu pause, je crois. Oui. Ouh, une carte. D'accord, une carte. Donc on a le côté Metroidvania, ok, local technique, ça ce sont les infos sur tout ce que je croise, les malédictions, oh mon dieu, trois arbres de concombre, de pépé, de tétance, oh là là, on s'y intéressera plus tard, il y a même des malus, diable, et le guide de l'employé, bien. Où retourne-je? Je retourne là, je ne sais plus. Ça fonctionne pas, ces ascenseurs. Quel intérêt, les gars, de mettre ça là? Il est bien, ce coup. Il est bien, ce coup. Il fait très DMC. Non, ne confondez pas, ça veut pas dire ça. Ça veut dire Devil May Cry, je le rappelle. Les mauvaises langues sont priées de se rendre à l'incinérateur le plus proche.
Deux secondes, j'arrive, gros. Bouge pas. Un petit rappel. Je suis la mort. Mais oui. Ouf, il y en avait un petit peu besoin, il me semble. Le jeu est vraiment charmant avec ses graphismes. C'est secret. Ah, une salle secrète, les gars, là. C'est pas sérieux. Oh, ce coup, je l'adore. Ah, madame, arrête. Toi. Non. Salle secrète. Ouais. Je crois qu'on a trouvé ce qui manque dans ce jeu. Alors, il y a des arènes à des moments, apparemment. C'est la tendance. Et au bout d'un moment, on se fait au combat, mine de rien. Faut vraiment enchaîner, hein. C'est ce qui... Le jeu invite vraiment à faire ça, des enchaînements. Il y a un truc secret, non. Je suis sûr qu'il y a un truc secret. C'est obligé de... Ah. Bon. Comment ça, monsieur K, tu nous gonfles avec tes secrets? Je fais ce que je veux, les gars. C'est moi qui ai la manette. Qu'est-ce? Un bon vacances ultra précieux. Ouais, je vais peut-être pouvoir aller à un autre cercle de l'enfer. Joie. Toi, t'étais un peu trop joie. What? Oh, ça va, ils sont calmes. Oh, je me prends des pipes, là. Je suis quoi? Mais non, c'est moi! La mort a été tuée devant vos yeux ébahis, et les miens d'ailleurs. En tout cas, ça me semble pas mal engagé pour ce Have a Nice Death qui réunit bien des choses croustillantes et ce petit cynisme pour envelopper tout ça que je trouve fort plaisant. Est-ce qu'on va m'inviter à augmenter des compétences? Ah, oui, j'ai pas été terrible. Oh. Ah, la cafetière, vite, il me faut la cafetière. Que ouais, la secrétaire s'est barrée en vacances avec ma machine à expresso, ça va pas du tout. Où quelle est cette garce? Ok, j'ai un compagnon bouquin et j'ai perdu ma compétence de coup de marteau, il me semble, si on regarde bien en haut à gauche. Ouais, moi aussi. Alors, c'est pas un Pip-Boy, c'est un Pit-Book. C'est juste en dessous du Pitbull. Et c'est un petit peu l'almanach de la mort, où sont notés tous ses secrets, ses confidences et surtout les infos du jeu. Dites, la salle après, ça serait pas la même salle que dans un certain jeu très connu? Où il y avait des fioles suspendues au début, mais on peut pas les utiliser, et elles sont là pour nous narguer. Zut, je crois que c'est ça. Bon. Je crois qu'on est trouvé sur... On est tombé sur le geek de la maison, je crois. Je confirme, c'est le geek de la maison. Voilà qui est intéressant. Laurence, il y a les allures des plus violentes, mais surtout très perçantes. Ok. Ok. Donc on va pouvoir acheter tout ce joyeux bordel. Vous voyez qu'avec ma fortune, je vais avoir droit à quoi? Des larmes. Mais la mort pleure aussi, il faut le savoir, la mort pleure aussi. Diable. On va regarder en bas ce qu'il y avait quand même, voir ce qui pourrait me motiver pour plus tard. Regardez ce coupe-fourreau qui a l'air idéal pour ouvrir le courrier et les factures. Oh, j'aurais presque pu prendre ça. «
Dan, ce titre m'a l'air déjà fort équipé en bonus pour ces investigations de donjons. Oui, parce qu'on est bien dans un roguelite. Et tout ça va demander à être expérimenté pour voir les différentes performances et savoir qui je vire et qui je garde dans cette boîte, bordel. J'y vais. Allez, boss. Elle sert à quoi, cette salle, si elle est vide? Va falloir que je demande au budget. C'est moi. Je devrais passer plus de temps dans cet ascenseur, il y a de la bonne musique. On y va. Hip. Non, je t'ai déjà vu, toi. T'es sûr que tu veux me parler? Non, mais j'aime pas trop comme tu causes, en fait. Non. Pourquoi tu parles autant? On se croirait dans un chapitre de Edika. Ciao. Oui, monsieur K, les dialogues dans les jeux, c'est une malédiction. Je fais que passer, les gars. Non, mais faites comme si j'étais pas là. C'est tout le niveau du démarrage. Alors les niveaux ne changent pas, ils sont pas générés procéduralement. On m'aurait menti, on m'aurait spolié. Oui, mais je peux peut-être trouver des nouveaux endroits où monter, déverrouiller de nouvelles compétences qui me rendraient plus fort, plus grand, mais surtout pas plus beau. Ah, je suis là. En douille. Oh, fallait que ça sorte. Mieux, mieux, mieux. Mieux, mieux, mieux. C'est quoi toutes ces petites mains qui veulent me tripoter, quoi? Je suis pas comme ça, moi. Non, tu me tripotes pas. On ne tripote jamais la mort. La mort est intripotable. Voilà, c'est dit. C'était. Alors, c'est rigolo cette mode quand même. Je sais pas si vous avez observé, mais tous les Vania. Ah, faut que je l'ai prise celle-là. Tous les Vania ont cette fonction du dash qui vous permet une invincibilité au passage temporaire. Je prends ça, ça moi. Et donc. C'est bizarre quand même, je trouve, parce que c'est très 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 utilisé et à l'abus, et je me demande quand on va se lasser de... Bah, on peut le dire, c'est une mode. Hein. Ne jouons pas les faux culs. Non, la mort ne joue jamais les faux culs. Si on allait voir cet autre étage... Ah, je crois que prochaine vacances, je me fais une semaine dans l'ascenseur, ça va être zen. Ah, il faut vraiment les temporiser les sauts, c'est chiant. Lucas. Oui, parce que quand je saute, si je tape, je reste en l'air. Et donc si je suis trop haut, bah, je suis pas au niveau de la personne que je veux fracasser, qui me balance son petit missile peinard. Et ça, j'aime pas trop par chez moi, je veux dire. Yo! J'ai raison, non? Crunch. Ah, peu! Mais même les toucher, c'est... Et voilà. Et je perds énormément bêtement de points de vie. Oui, énormément bêtement des points de vie sur ces petites créatures qui ne demandent qu'à être fracassées, en fait, si on regarde bien. Paumé, moi. Oui, je suis spectaculaire, mais je fais beaucoup de vent. Ah, soyons clairs. C'est pas de tout repos d'être la mort, je vous le dis. Non, ceci est un brutum vulnir, et je vais le prendre. Ouais, je suis complètement ouf. On va quand même regarder dans les infos ce que ça fait, ce joyeux appareil. Pour casser l'ambiance. Ah, mais c'est pas mon marteau? Si.
faut que j'essaye ça. Je n'ai toujours pas utilisé mon super coup d'ailleurs, je vous fais remarquer. Parce que je suis trop bon. Je suis la mort. Oh, c'est bien comme coup distance. Ah oui, 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 quand on a les trois armes, là, ça devient vraiment très rigolo. Parce que là, du coup, on peut enchaîner beaucoup, beaucoup de façons de se tataner et faire des belles variantes. Ding dong. Ah, je remonterai bien à un étage hasardeux, tiens. Qu'est-ce qu'il fout là, ce bouton? Ah, j'ai encore retombé sur tête de nœud. Non, c'est bon. Tu vas te calmer, Micheline. Ah oui, j'avais prévenu, moi. Ouh. Bon les amis, je dois être fatigué, je vais retourner faire des papiers, mettre des coups de tampon, ça va me décontracter un petit moment jusqu'à ce que je me réénerve et que je revienne jouer. En tout cas, en attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la early de ce Have a Nice Death. Qui ne craque pas de vous faire cogiter entre les réglementations au sujet de la mort, mais surtout des manières physiques d'y mettre fin. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a sur ma chaîne. Quoi, nouveau virus? Cool.